Mesdames et messieurs, lecture nous va lire pour c'est Marc chapitre 16 verset 19. Marc chapitre 16 verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ça, c'est Marc chapitre 16, verset 19. Mesdames et messieurs, la Bible dit clairement que Jésus montait dans le ciel. Et la Bible dit clairement la position de Jésus dans le ciel. Jésus est assis à la droite de Dieu. Mesdames et messieurs, dans l'Ancien Testament, droite là, c'est une grande signification. Je l'ai parlé de la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Généralement, lorsqu'on honore un pile, on met le bord droite. Donc Jésus est très honoré à cause de l'offrande qu'il a présentée à Dieu pour le sacrifice du péché. Avant Jésus t'est venu dans le monde pour lui venir accomplir le ministère, l'étape diriger le ciel. Il était le Fils unique de Dieu, lui-même qui était créateur du ciel et de la terre. Dans Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il était venu mener le ministère ça, comme l'agneau de Dieu. Le sacrifice qui est capable de remplacer tout sacrifice dans l'Ancien Testament pour le pardon de nos péchés. Ainsi, même Jean sacrificateur, le sacrificateur était dans le temple où tu as présenté des sacrifices, mais tu as un sacrifice spécial, souverain sacrificateur, tu dois le présenter devant l'arche là. L'arche là qui était dans le temple là, qui était symbolisé. La présence de Dieu dans le temple et son seule foi. Et lui, tu dois entrer là pour la présenter sacrifice, ça, tu as mourir tout. Et c'est souvent un sacrificateur terrestre là, qui te gagne chaque année pour entrer dans le Saint des Saints pour la présenter sacrifice là. Ainsi, sacrifice Jésus à tout, il était doué à le présenter dans le Saint des Saints. Mais le Saint des Saints, ce n'est pas Saint des Saints terrestres. Jésus t'a pas présenté sacrifice là. Mais c'est surtout le Saint des Saints, le ciel, côté bon Dieu, présence bon Dieu même. C'est ça qu'il dit dans Hébreux chapitre 9, verset 24, il dit. Car Christ, Hébreux 9, verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas notre temple, mon fait qu'il est entré dans le Saint des Saints pour l'aller, en imitant du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Chaque fois nous péchons, mes frères et sœurs bien-aimés. Jésus se tient avec son sang devant la face de Dieu, implorant le Père de nous pardonner. C'est ainsi que Jean te dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est Jésus qui est monté dans le temple céleste auprès de Dieu avec son sang pour le capable expier péché nous. Nous comptons. Maintenant, nous allons continuer bon, quelques versets qui sont appropriés. Nous gagnons Actes chapitre 1, verset 11, pendant que Jésus a monté dans le ciel. Et puis, les disciples finissent disparaître là-les. Disciples étaient là, yeux dans le ciel, là, ils ont regardé. Ça, ils ont regardé. Finalement, les anges apparaissent.
Il te dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus vient pour le retourner, pour venir chercher fidèle Léo, pour le présenter épouse li à papal, donc pour nous monter tout nous-mêmes. C'est pour ça que fait nous garantir nous pour nous monter. Donc, dans Hébreux chapitre 6, verset 20, et il nous dit là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Ça, ça veut dire. Si nous avons un monde qui monte dans le ciel là, si nous avons un monde homme, 100% homme qui est dans le ciel là devant le trône de Dieu, c'est Jésus, 100% homme. Et il est rentré pour nous, cela signifie que nous-mêmes, tous les nous garantis, nous pouvons rentrer tout dans la présence de Dieu. Hébreux 6, verset 20. Il est rentré pour nous comme précurseur, ça veut dire, et comme c'est des cadeaux, l'aller comme monde qui ouvre porte là, porte celle-là, il ouvre porte là. Même Jean voit le temple à te déchirer. Le Jésus est mort, libère nous libre accès à lieu saint, lieu très saint, le parvis lieu saint, le saint des saints. Même Jean tout, Jésus qui monte dans le ciel là d'après Hébreux 6 verset 20, libère nous libre accès. Qu'on y a là, nous capables d'aller devant le trône au point de vue spirituel. Mais un jour, là Jésus vient chercher nous, nous prenons le face à face, nous prenons le Père face à face. Il est rentré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas besoin de dire rien parce que la Bible est claire. C'est ça, bon Dieu dit. Et dans Hébreux chapitre 8, verset 1er, peut-être que c'est le sot lia, c'est le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Mesdames et messieurs, verset au clair. Écoutez que qui montre nous que Jésus ça que nous servons. Et même le David a dit que monde qui monte dans le ciel, même David qui était grand papa lui dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 34 à 37, il dit que Dieu n'est point, que David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. C'est bon Dieu qui relie Jésus dans le ciel là. Il y place le bon droit lui, Dieu le Père. A placé Dieu le Fils à sa droite. Maintenant, il règne, il a son trône, et il règne comme le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur du monde. Mesdames et messieurs, je pense que nous convaincus maintenant que Jésus-Christ est vraiment dans le ciel, est vraiment assis à la droite de son Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour nous. Il prépare également son retour. Parce qu'il te dit, il a préparé une place pour nous. Maintenant, après, il vient préparer une place. Là, il est pour venir chercher nous. Donc, finalement, il a préparé l'église, il est tout dans le monde. Mesdames et messieurs, nous espérons que nous pas chambre pas croire dans Jésus-Christ qui montait dans le ciel en tant que homme, en tant que Dieu et qui s'est garanti monter nous tout dans le ciel. Puisque Jésus-Christ est monté dans le ciel, nous même tout nous gagnons pour monter très bientôt. En nous qui est ferme la confiance nous gagnons dans le Seigneur. Et puis, en nous écouter ça la Bible dit nous, en sorte que, même si on l'autre monde t'a venu annoncer dans l'autre l'évangile, nous pas quoi la donner. C'est ça, dans Galates chapitre 1er, l'apôtre Paul t'a dit, il dit comme ça, et pas parce qu'on l'autre l'évangile, mais qu'on pas qu'être monde qui a troublé nous, pas quitter aucun monde troublé nous. Lis la parole de Dieu, l'offre une jeune vérité à, mettez confiance dans sa bon Dieu lui-même, l'a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel est capable de faire plus de lumière pour vous déjà. Verset ça. Yo, que la paix
de Dieu soit avec vous tous.